Qu'est-ce que la noyade sèche? Tu as peut-être déjà vu des informations circuler à ce sujet sur Internet. Alors, est-il réellement possible de se noyer en étant bien au sec, même dans son lit? Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai 5 symptômes pour éviter le drame. T'es prêt? C'est parti! Voici l'histoire qui est à l'origine de la psychose. Par une belle après-midi de mai, Ronin, le fils d'une célèbre blogueuse américaine, est laissé sans surveillance au bord de la piscine familiale. Il tombe alors à l'eau et il est repêché plusieurs secondes après avoir passé la tête immergée en dessous de la surface par sa mère. Après quelques minutes et un retour au calme, il semble aller beaucoup mieux et pourtant, le soir, il adopte un comportement quelque peu anormal. Il est plus fatigué et il est pris de quinte de toux. Sa mère, alors alertée, a le bon réflexe et appelle immédiatement son pédiatre qui l'indique d'aller au plus vite possible aux urgences. Lors de son immersion prolongée, de l'eau est entrée dans les poumons du petit Ronin. Les alvéoles pulmonaires se sont irritées, se sont inflammées et à ce moment-là, ça a commencé à gêner sa respiration, voire même à l'empêcher. Le danger donc dans cette situation, c'est d'être capable d'identifier et de détecter la cause du problème. Car il arrive encore aujourd'hui que certains patients se rendent à l'hôpital avec l'idée en tête d'un gros coup de fatigue, sans jamais faire le lien avec l'immersion qui a eu lieu quelques heures avant. Alors j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux ou sur internet du personnel médical qui criait au scandale par rapport à l'utilisation du terme noyade sèche. Un point sur l'étymologie me semble donc nécessaire. Le terme noyade sèche, effectivement, est inapproprié dans cette situation. C'est un terme qui appartient à la médecine légale lors des autopsies. Alors le terme le plus juste à utiliser dans cette situation, c'est le terme de noyade à retardement, puisqu'il s'agit d'un décès par asphyxie qui a lieu plusieurs heures après une immersion prolongée, occasionnant un traumatisme respiratoire. Alors tout le monde est concerné par ce danger, mais les enfants le sont beaucoup plus, en tout cas sont plus susceptibles de développer ce type de réaction car leurs poumons sont moins matures et plus petits. Alors attention, quand il s'agit de son enfant, bien entendu, on est pris par les émotions et on veut à tout prix le protéger. Et c'est normal, mais c'est également bien normal que ton enfant tousse après avoir bu une tasse. Ça aussi, c'est tout à fait normal et il n'y a absolument aucune raison de paniquer car cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un symptôme de noyade. Car tous les enfants boivent la tasse et tous les enfants, en règle générale, après quelques minutes, vont beaucoup mieux. Essayons donc ensemble de voir l'ensemble des symptômes qui sont susceptibles d'indiquer une noyade à retardement. Et évitons ainsi de surcharger les équipes médicales avec de fausses alertes. Alors avant toute chose, j'aimerais te rassurer, sache qu'une irritation pulmonaire se traite très facilement avec de l'oxygène et éventuellement des antibiotiques. D'où l'importance d'être capable de le détecter. Voyons donc ensemble les symptômes. D'abord, il y a la toux. Une toux qui peut être prolongée et qui est souvent en forme de quinte. Il y a également la fièvre, et ça, le meilleur moyen, c'est tout simplement de la relever avec un thermomètre. Et enfin, il y a un sifflement, ou plutôt on pourrait dire un bruit qui provient de la respiration. Ça peut être un râle ou ça peut être un sifflement. Là, pour le détecter, il suffit d'approcher son oreille de la bouche de la victime ou de ton enfant. Il y a également une coloration bleuté au niveau des lèvres ou au niveau des ongles, donc aux extrémités. Il y a aussi une forme de pâleur et enfin un comportement qui est inhabituel, une fatigue très intense ou une forme qu'on peut appeler d'apathie. Bien entendu, après une sortie piscine, en règle générale, on est toujours fatigué. C'est un comportement qui est beaucoup plus marqué et qui peut se détecter grâce aux autres symptômes. Finalement, tous ces symptômes relèvent d'un manque d'oxygénation. Et pour ne pas avoir
à occuper de l'espace dans ta tête pour te rappeler de tous les symptômes ou bien de paniquer au moindre doute, je t'ai préparé une petite fiche récapitulative de tous les symptômes que tu peux garder bien finalement comme une fiche mémo. Tu peux la télécharger juste ici ou directement dans la description. Dernière chose, si tu constates ce type de symptômes le soir ou en fin de journée et que par la suite ils disparaissent, je t'incite vraiment quand même à appeler pour avoir un avis médical car ce sont des symptômes marqueurs d'une détresse respiratoire. Attention, le danger numéro 1, ce n'est pas la noyade à retardement, c'est avant tout la noyade tout court. On a fait une vidéo la semaine dernière que tu peux consulter ici par rapport à l'eau libre et j'aimerais faire un rappel par rapport aux enfants et à la surveillance de tes enfants. Car chaque été, c'est en moyenne 3 à 4 noyades par jour, enfants et adultes compris, rien qu'en France. Et un message que tous les maîtres nageurs sauveteurs aimeraient faire passer, les MNS ne sont pas là pour surveiller les enfants. Il faut sans cesse que tu gardes un œil sur tes enfants. C'est très important, même, je dirais même, surtout si tu leur as donné les brassards et la bouée. Ça ne suffit pas à les maintenir à la surface. Pour éviter le drame, il faut garder une surveillance constante, c'est capital. Enfin, le meilleur moyen de diminuer le risque de noyade, c'est d'une part de toujours se baigner dans une zone surveillée car en cas d'intervention, les secours seront beaucoup plus rapides. Et enfin, d'apprendre à nager. C'est essentiel car lorsqu'on maîtrise la natation, on diminue considérablement le risque de noyade. Et ce, à n'importe quel âge. Plus tu commences jeune et plus c'est facile. Camille et moi voulons t'offrir plus de sérénité lorsque tu es au bord de l'eau en famille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous t'offrons un extrait gratuit de notre méthode autonome pour apprendre à nager toi-même à ton enfant et ainsi assurer sa sécurité au bord des bassins. Inscris-toi directement sur cette page pour recevoir nos meilleurs conseils et commence à apprendre à nager à ton enfant dès maintenant.